شوفوا لوبورتونيتي تاع لو سيكل هذا العصر هذا عندنا عطانا ربي سبحانه يعني بو تطور الانسان والعلم عطانا ان شانس لا شانس هذه هي لو نوميريك هي لو داتا هي لو تريتمون دو دوني هي تريتمون دو دوني هي المنظومه المعلوماتيه والتحليل المعلوماتي هذا يسمح لنا ان نصلحوا اخطاء كثيره ونشعلوا الاضواء على بلايص بزاف كانت الدوله ما تشوفهمش والاداره ما تشوفهمش سي نورمال تحديث المؤسسات لا مودرنيزاسيون لا نوميريزاسيون انتروديو لو نوميريك دون تو لي سيكتور ميم بيان سور دون لو موند دو لا غير الكترونيك اي كونسيرنون لي دوان اون بارتي دي دوان سورا ديتاشي دو مينيستير دي فينانس اي سورا راتاشي ديريكتومون اون نوفيل ستركتور d'intelligence. Ça veut dire une partie des douanes aura la double casquette. Elle fera partie du corps des douanes et en même temps d'un service de renseignement opérationnel, même à l'international, concernant les crimes économiques commis contre l'Algérie. Bien sûr, M. Bouakaz, l'introduction, plus que l'introduction, l'optimisation et l'utilisation des moyens de numérisation et numérique à condition, à la charte, أن كل الإطارات اللي تكون في المواقع الحساسة للتحليلات المعلوماتية dans le traitement des données et de la data يكونوا des Algériens parce que c'est hautement stratégique et il y va de la sécurité nationale. La sécurité nationale, ce n'est pas les armées qui vous envahissent. Maintenant, un virus peut vous envahir sur le plan économique, informatique, des armées peuvent vous envahir, des idéologies peuvent vous envahir, des attaques, on peut avoir des attaques à tous les niveaux. Il faut qu'on soit très puissant et le système sécuritaire câble. Même les services de santé doivent répondre à des impératifs de bienveillance et de surveillance et d'intelligence sanitaire, parce que l'attaque peut avoir un caractère biologique. Monsieur Bouakaz, votre troisième question, s'il vous plaît. Yes. Une autre question. Que pensez-vous de la clause 51-49? Non, c'est une connerie. C'est une bêtise. Donc, ce n'est pas un avenir. Non, non, non. Non, quand on a les institutions financières, les banques, le contrôle fiscal, jamais on vendra le foncier à un étranger, qu'il soit personne morale ou physique. Maintenant, une entreprise étrangère qui vient s'installer en Algérie, n'a-t-elle une assiette financière en location sur 2000 ans, ça ne me dérange pas. Mais l'acheter, niet, non. On a un exemple qui peut participer réellement au PIB algérien. L'armée, elle forme des ingénieurs en génie civil et en architecture, etc. C'est ce qu'on appelle le génie militaire. Donc, Anna, je préfère qu'à une époque, on avait une société qui appelait le DNC. La DNC, elle construisait, c'était une entité militaire, qui construisait pour le civil l'économie nationale. Anna Redoua, un bureau d'études, ou un indice des ingénieurs de l'armée qui travaillent pour un projet national, type autoroute, route, etc. Je préfère que mes ingénieurs de l'armée le font en collaboration avec l'université. Tous, on s'en fout des grades. Hadak menhi architecte civil ou hadak menhi capitaine spécialisé dans le béton ou là dans l'acier ou là dans les tunnels ou là dans je sais pas quoi. Pour moi, c'est la même chose. Et là, ils participent au PIB. Quand vous avez par exemple l'armée redoua, elle finance une recherche au niveau universitaire et on va découvrir des pompes à eau qui utilisent moins d'énergie qu'on va commercialiser via une entité nationale qui est une société civile. Elle a participé au PIB. Quand demain, nous avons des cadres des finances qui travaillent pour les renseignements algériens concernant la surveillance de ce qu'on appelle transactions financières et qu'on les transforme en spéculateurs en créant un fonds d'investissement national qui investit à l'international, on a participé au PIB. Est-ce que j'ai répondu à la dernière tranche? Oui. Ça va très bien. L'oula, n'y c'est quoi votre politique? Si elle s'est perdue, ah oui. D'abord, un. Suspension de l'exportation du pétrole de manière totale, quelles que soient les conséquences, et plutôt, on va investir dans la transformation des dérivés du pétrole. Je ne vends plus le pétrole brut. Ça ne m'intéresse pas parce que Btia Coca-Cola soit ferme Btia pétrole. Par contre, si je transforme les dérivés du pétrole, notamment, par exemple, le 3PP qu'on importe, que tout le monde importe pratiquement, par exemple, la société BASF le maîtrise en Allemagne, de faire une joint venture avec elle, de faire du polypropylène, par exemple, algérien, d'exporter les dérivés du pétrole, c'est beaucoup plus enrichissant. D'ailleurs, c'est la politique qu'a employée la Malaisie.
normalisé, elle transforme tout. Même le caoutchouc, ça ne tient pas matière brute. Donc, en matière d'hydrocarbures, de phosphates, de toutes les richesses minières, ce qu'on sait transformer nous-mêmes, on le transforme, on l'exporte. Ce qu'on ne sait pas faire, on fait ce qu'on appelle des accords technologiques. On achète des cadres. Nishri ou les cadres? Les cadres, on achète. Les Américains, ils ont développé le programme de missiles Bash. Les Américains, non, c'est Von Braun. Les Russes, Bash développe le programme spatial. Les Russes, non. Ils ont joint à Von Braun. Ils ont joué des Allemands nazis. Donc, Nishri l'abd, Nishri la technologie. El Mohim, je la transforme chez moi. Njib, une société complète. Je fais des accords avec elle, avec un transfert de technologie et une production nationale et un export. En système gagnant-gagnant. C'est les contrats. Mais je n'exporte plus de matière brute. Ça ne me sert à rien. Alors, j'ai dit, c'est un doc, c'est un mètre d'achem. Il bie ou s'raf. Bie ou s'raf. Bie ou s'raf. Non. Echdem, transformer, bie ou s'raf à la roche. Maintenant, les énergies renouvelables. Rabbi, t'en as le soleil. T'en as le soleil déjà, qui est une énergie extraordinaire qu'on peut canaliser, catalyser. Eh bien, ça, il faut absolument un. Mais si Ndjib, une société, tu bénis les centrales solaires. Mais on dit, mais Ndjibéha. Non, Ndjib, une société qui sera partenaire avec l'université algérienne, avec les instituts algériens, avec l'armée nationale, avec Polytech Algérie, qui sera partenaire avec des entités créées en mixte, même étatique, ou bête, qui seront revendues aux civils à titre d'investissement pour développer les technologies et installer des centrales solaires. Nous devons fournir l'électricité à toute l'Afrique du Nord à partir de l'énergie solaire algérienne, devenir le leader dans le domaine des énergies renouvelables, spécialement le solaire. Et quand on parle de solaire, attention, l'installation de méga installations solaires permet de modifier même le climat de la zone et de créer des microclimats parce que ça permet de baisser d'un demi-degré, voire un degré, parce que les stations solaires elles-mêmes, en collectant le soleil, provoquent un réchauffement avec les échanges d'air. Ça crée un microclimat et ça change même le microclimat. Donc, on a tout intérêt à travailler sur l'écologie et l'énergie. C'est ce que j'ai dit pour l'agriculture. Je veux l'agriculture raisonnée, je ne veux pas l'agriculture intensive parce que je veux avoir une production optimale, maximale, mais raisonnée avec un label de qualité. Un, le chef de l'Algérie est consommé. Deux, pour l'Ukraine. Maintenant, revenons à l'électricité. L'électricité à partir du solaire. Manqbel Kent, elle revenait pratiquement... Bina bin le gaz presque kif kif. Maintenant, les technologies ont permis que l'énergie solaire roule pratiquement à Khisaga. Ça veut dire quoi? Je pourrais créer ce qu'on appelle maintenant, comme maintenant les industries se déplacent de la Chine vers d'autres secteurs du monde, on peut créer des bases industrielles, avoir ce qu'on appelle une bonne partie du supply chain, l'Iken Plazi, j'en ai l'Afrique du Nord, en développant l'Afrique, en fournissant de l'électricité pratiquement prix coûtant, voire gratuit pour le Niger et le Mali, en créant une économie dépendante de la nôtre, de manière à avoir une hégémonie économique et une vision et une stratégie.